Dans quelques semaines, je vais nourrir tout le village. Oui. Tu en es sûr avec ce petit champ-là? Ben oui, ici les gens n'ont pas besoin de beaucoup de bissab. Okay. Juste quand ils font du tchiboudien, un tout petit truc de bissab. Parce qu'il n'y a pas assez de diola. Les diola, ils en consomment beaucoup. Mais les sourois ici, ils cessent un tout petit peu. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Vamos na pena. Vai, ele é que é a minha.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Oui. Donc, quel est ton dernier mot pour les Sénégalais et tous ceux qui nous suivent? Oui, le dernier mot, c'est juste produire sa propre consommation, c'est très bénéfique pour la santé. Parce que quelqu'un qui te nourrit, par exemple, les Sénégalais qui se nourrissent des produits importés, l'importation, le danger qui se trouve dans les produits importés, parce qu'il y a deux trucs qui sont forcément dans les produits importés, les produits chimiques, les produits de conservation. Parce que imagine-toi les tomates importées de l'Europe, il y a des produits injectés dedans pour conserver les tomates, c'est dangereux pour la santé. Et il y a d'autres causes que je ne connais même pas, mais j'en suis persuadé qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans les produits importés des autres pays, par exemple les légumes, les fruits. Moi, j'ai choisi de faire ma propre production pour me nourrir parce que je veux être en bonne santé. Oui. Quand, par exemple, tu achètes des tomates au marché, tu les laisses 2 ou 3 jours à la maison, c'est pourri. Parce que là, même dans la production de ces tomates, il y a des engrais chimiques qu'on utilise. Ces engrais sont dangereux pour la santé. En plus de ça, les produits de conservation, il y en a d'autres pour tous les légumes importés. Et dans les marchés sénégalais, tout est inondé de produits importés. Le Sénégalais ne veut pas produire sa propre consommation. Et produire sa propre consommation, c'est important, c'est bénéfique pour la santé. C'est ça. Ouais. Donc toi, tu te nourris, tout ce que tu manges, c'est toi qui le... Oui, j'ai mon sang de bissab, j'ai mon sang de tomate, j'ai un sang de salade. J'ai produit, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'espace que j'ai réservé pour d'autres produits comme chou, comme, comment ça s'appelle encore, aubergine, comme oignon. Je veux même produire de l'oignon. Oignon, je veux aussi produire, comment ça s'appelle encore, carottes. Carottes, je pense que j'ai un truc ici pour les carottes. Donc, je veux faire ma propre production. Je vais me nourrir de ce que j'ai cultivé. Je vais aussi essayer de nourrir les autres Sénégalais paresseux. Oui, parce que pour moi, acheter dans les marchés, c'est en quelque sorte être paresseux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'espace à la maison.
Ils ont beaucoup d'espace, ils peuvent produire par exemple quelques tomates à la maison, ou bien quelques salades, ou bien quelques légumes, pour essayer aussi essayer d'économiser un tout petit peu d'argent, parce qu'aller au marché acheter tous les jours, tu dépenses encore, tu dépenses pour les produits dangereux pour toi. Donc tu penses que les gens qui ont de l'espace chez eux, ils doivent forcément faire ça. Bon, je ne sais pas si c'est une obligation, mais si quelqu'un qui a de l'espace et puis qui se soucie pour sa santé, il peut le faire. C'est la meilleure solution. Si tu te soucies pour ta santé, tu peux le faire. Mais il y a les Sénégalais qui s'en foutent de leur santé, ils ont de l'espace, ils peuvent faire beaucoup de trucs à la maison, mais ils ne veulent pas. Ils préfèrent la facilité. Quand c'est facile, c'est dangereux. En tout cas, c'est ça. Quand tu y penses, c'est en réalité ça, quoi. Donc quand tu prends soin d'une plante, tu la nourris, ouais, tu l'arroses jusqu'à ce que ça grandisse, c'est comme si tu prenais soin de toi-même, parce ouais, que ça va finir dans ton ventre. Ouais. Donc quelque part, c'est ton médicament que oui, tu prépares comme ça. Oui, c'est ça. Donc ça c'est va éviter beaucoup de maladies. C'est ça. Et il faut aussi de... On a beaucoup de maladies comme les cancers, l'hypertension, tous ces trucs-là. Oui, moi je les appelle les maladies. Les maladies importées. Parce que toutes ces maladies proviennent de l'importation. Si les Sénégalais se nourrissaient de ce que l'on produisait, par exemple, on produit des trucs naturels faits au Sénégal, avec par exemple, quand on cultive les tomates, on utilise le fumier des animaux, c'est naturel. Tu peux manger ces tomates 1000 ans, tu n'auras jamais une maladie. Mais si tu te nourris des produits que les gens importent de l'Europe avec beaucoup de produits chimiques, tu vas finir à avoir une maladie. Et quand tu as cette maladie, c'est une maladie importée. C'est importé. Normalement, ici en Afrique, on ne devait pas avoir ces genres de maladies. Ce n'est pas nos maladies. Ouais. Nous, Africains, si on consommait africain, on n'aura pas certaines maladies. On peut avoir le paludisme parce qu'on vit avec les moustiques, mais les autres maladies comme cancer, comme diabète, comme les autres maladies cancérigènes, maladies, je sais pas, cardiaques, c'est pas pour les Africains, c'est importé. Ouais. Il y a beaucoup de maladies cardiaques parce que les gens consomment des produits industriels. Et normalement, les produits industriels, c'est pas fait pour nous. C'est ça. Ouais. Donc, en tout cas, le message est clair. Hein. Ouais. Consommer local. Consommez ce que vous produisez vous-même, chez vous. Si vous avez de l'espace, cultivez ce que vous mangez. Mm-hmm. Et puis, ça va contribuer à l'amélioration de votre santé et tout, quoi. Ouais. C'est ouais, ça. Ouais. Donc, les Sénégalais surtout. Les Sénégalais, il faut arrêter la paresse. Ouais. Il faut travailler, cultiver la terre. C'est ce que l'on a. La terre nous donne la santé, si on veut, normalement. Mais si on se focalise sur les produits industriels, vous allez finir par tomber malade, avoir les maladies importées. Donc, c'est ça, c'est la fin. Et qu'est-ce que tu as à dire aux gens, aux propriétaires de drones qui veulent s'aventurer ici? Bon, il faut prendre des précautions parce qu'il y a beaucoup de vent à Toubab-Diallo, il y a l'océan aussi. Il faut avoir le contrôle de son drone. Oui. C'est ça. Malheureusement, moi, j'ai perdu le mien. C'est dommage, quoi. Donc, si vous avez un drone, vous voulez piloter votre drone ici, faites très attention. Ouais, il y a trop de vent. Il y a trop de vent, tu vas. Voilà, n'allez pas trop loin. Ouais, vous allez finir par perdre votre drone comme moi. Ouais, il y a beaucoup de vent ici. Hein. Yes. Mais le climat, il est magnifique. Tous les gens qui vont visiter Toubab-Diallo, il faut venir. Ouais. Il y a la tranquillité, il y a la paix. Donc on dit comme ça, peace and love. And love and light. Yes. Big up à tout le monde.